parmi les épisodes les plus vus, les plus diffusés à la télévision, c'était à Burning Man, c'était en 2013. Ah oui, je l'avais vu. T'as goûté des choses particulières, des substances. On a retrouvé un extrait, drôle. Justement. Thank you, merci, mais je peux pas fumer. Je suis asthmatique, tiens. Hey, here's, if you really si t'aimes pas fumer, y a pas de problème. Okay. Je fais des cookies à la marijuana. Alors non, non plus. Ça sent bon, hein. Tu peux sentir? Ah oui, ça sent bon, hein. Non, really, non, non, vraiment, ça sent bon. C'est fait avec du beurre bio, de la farine bio. C'est vraiment des cookies de bonne qualité. Et ça, c'est légal en Californie. California. Oui. Yes. Ok, thank you. Enjoying. Bye bye, see you. C'est la diffusion officielle. Oui, c'est que français. C'est que le début. Et après, sur Internet, tu as diffusé ta réaction face à cette substance, à ce cookie particulier. Oui, oui, oui. Et puis, en plus, moi, j'ai mangé un quart, histoire de bon pour voir. Et puis, il se passait rien, j'ai mangé un deuxième quart. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que je n'avais pas tourné le début. Donc, je me suis dit, je vais avoir les effets sans qu'on me voie manger. Donc, j'ai mangé un troisième quart. Et le truc, il était vert tellement il était chargé. Moi, j'ai jamais fumé un pétard. Et puis, ça me faisait toujours rien. J'ai mangé le dernier quart. Donc, j'ai mangé un gros cookie comme ça. Ah oui, quand même. C'est un truc de... Ça et après, grave, j'ai fait un saut dans l'espace-temps. Ah oui, c'est un truc de ouf. Mais oui, mais j'ai pas aimé du tout. Hein. C'est pas le truc que je recommande. Hein. Ah non, c'est parce pas parce que agréable. J'avais perdu la notion du temps. J'étais en train de copier une carte mémoire, parce que j'avais encore un petit peu de cerveau. Et ça n'avançait plus. Il y a un petit ascenseur et tu copies un truc. Ça bougeait plus. Ouais. Et j'étais encore en train de me filmer. Et après, je me suis rendu compte que j'avais tellement perdu la notion du temps. Je disais, ça s'est arrêté la copie. Et ça s'est arrêté. Et ça va être l'horreur parce que je m'emmerdais et j'avais perdu la notion du temps, donc je me disais, mais ça va durer des jours. Non, mais c'est très particulier. Vous êtes tout seul sur les tournages? Ah oui. Tout seul, pas. Tu vois, ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ça fait 17 ans que la série existe et il y a encore des gens qui pensent que je pars avec une équipe. Ouais, non, mais alors, moi, j'étais persuadé que. Mais ça me fait très plaisir. Non, mais qu'il y a une équipe derrière parce que, quand même, pour gérer. Et non, il est tout seul, ce monsieur. Et tu gères les rushs et tu montes quasiment en temps et en heure, tu découpes, tu montres, tu dis. Je fais pas le montage, mais je fais tout le visionnage, tout le. Les rushs. Mais ce qui est fou, c'est que peu importe ce que tu peux prendre d'illicite ou même de licite, mais dans des fortes capacités. C'est que tu continues à chaque fois à filmer, t'as ce réflexe-là. Ouais. Il suffit de voir la fin de la Corée du Sud, j'étais dans un état second, je me suis pas rappelé de ce que j'avais fait et j'avais tout filmé. Ah oui, je me souviens. Et ça fait des vraies séquences. Et ça fait, comme m'a dit un ami, tu t'es vu quand t'as bu. Ah oui, c'est exactement.